listening to us from. Bonjour, bon après-midi, c'est un lieu de vous nous suivre en ce moment. They say success are from Christ Proclaimers Ministries International. Vous êtes dans votre émission L'heure du succès, l'émission produite par le ministère international des proclamateurs du Christ. I am your friend and your brother Newton Adegoke. Je suis votre frère et ami Newton Adegoke. We have been looking at how to succeed and to achieve your dream. Nous avons commencé à parler depuis le début de comment réussir et atteindre vos rêves. We said the first thing is to catch a vision or to have a dream. Nous avons dit la première des choses, c'est comment avoir une vision et avoir un rêve. And we said that dreams and the vision must be made plain through planning. Et nous avons dit que les rêves et visions doivent être planifiés totalement. And we said regardless of how much you plan, you have to be disciplined in order to be able to carry out your plans. Et nous avons dit, peu importe comment est-ce que vous planifiez, vous devez avoir de la discipline pour tenir dans votre plan. And we began to mention different aspects that requires discipline if our planning must be followed through to success. Et nous avons commencé à mentionner différents types de disciplines qu'il faut avoir si le plan doit être arrivé à un succès. We talked about the discipline of the mind. On a vu le discipline de la discipline de l'esprit, of your words, la discipline des mots. And we are today looking at the discipline of our sexual appetite. Aujourd'hui, nous parlons de la discipline des appétits sexuels. Discipline of sexual appetite. La discipline des appétits sexuels. Most people have problem with the discussion of sex. Beaucoup de gens ont des problèmes avec la discussion sur le sexe. And they are provoked with the use of the word sex. Et ils sont provoqués à chaque fois qu'on utilise le mot sexe. However, this is an undeniable curiosity. Even though the topic sounds a little bit weird, but it is very vital that we discuss it. D'ailleurs, il est très important que nous puissions discuter de ce sujet, même si à chaque fois qu'on mentionne ce sujet, ça semble un peu curieux. Yes, people may not favor those who talk about it openly. Alors, il se peut que les gens ne favorisent pas ou n'aident pas ceux qui parlent de sexe ouvertement. But the truth remains that most people seek the information about sex secretly. Mais la vraie raison, c'est que les gens cherchent les informations sur le sexe de manière secrète. It is high time to demystify this and to have adequate information about it. Il est temps pour nous de démystifier ceci et d'avoir des informations adéquates à ce sujet-là. Yes, I'm quite aware that sex has become synonymous with sin in the eyes of many. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le sexe est devenu synonyme de péché aux yeux de beaucoup. But this is not true. Mais ce n'est pas vrai. So it is time to put everything in their proper perspective. Alors, il est temps de mettre toutes choses dans leur perspective propre. Sex is not equal to sin. Le sexe n'est pas égal au péché. Sex is not equal to sin. Le sexe n'est aucunement égal au péché. God, the creator of man, created human race as sexual beings. Dieu, le créateur des hommes, a créé la race humaine comme des êtres sexuels. This is a reality that none of us can deny. C'est une réalité que personne d'entre nous ne peut nier. Just like no one can run away from his shadow. De la même manière que personne ne peut fuir son ombre. We cannot run away from the reality of human sexuality. Nous ne pouvons nous échapper ou fuir la réalité de la société humaine. There was this true life event that happened in one of the most populous nations in Africa. Il y a eu ce fait qui est arrivé dans l'un des pays les plus populaires de l'Afrique. It was such an ugly incident. C'était un vilain incident. It was captured by a newspaper and it was such a trending news at the time. Cela a été pris par les journaux et ça a été vraiment une information capitale. It was a sensational story of a young, overzealous, ignorant believer. Ça a été l'histoire d'un jeune croyant qui était super zélé. Who said he's been tormented by the demon and thought of sexuality? Et qui disait être tourmenté par les pensées de sexualité des démons. He said in his own words that he has fasted, he has prayed to cast away this tormenting thought. But the more he prayed, the more this overwhelming thought takes over his mind. Il dit qu'il a jeûné, qu'il a prié pour chasser ses pensées, ces démons-là. Mais plus il priait, plus ses pensées envahissaient son esprit. And in his bid to overcome the drive and the desire for sex, he decided to cut off his private part. Et dans le but de dépasser son désir pour le sexe et tout ce qui le remplissait, il a décidé de se couper ou se trancher les parties intimes. Because in his own mind, he said the only book prescribed that if our eyes will make us to sin
Or if it's our end that will make us to sin, we're supposed to chop it off. Parce que selon lui, la Bible déclare que si votre œil et votre bras droit est votre occasion de chute, il faut le couper. He took this commandment literally and put it to work. Il a pris ce commandement de manière littérale et l'a mis en travail. He chopped off his private part. Il a coupé, il s'est castré réellement. He nearly lost his life. Il a presque perdu la vie. But in excruciating pain, he screamed and he began to shout for help. Mais dans sa douleur, il s'est mis à crier, à demander de l'aide. And the people in his neighborhood came to his rescue. Et les voisins sont venus pour l'aider. What a story. Quelle histoire. What is sympathetic story? Quelle histoire pathétique. Now, there is nothing wrong. Il y a rien de mauvais en réalité. In having sexual drive. Dans le fait d'avoir des désirs sexuels. That is the way God made us. C'est ainsi que Dieu nous a créés. We should not deny sexuality. On ne devrait pas nier la sexualité. We should not deny the attraction to opposite sex. On ne doit pas nier l'attraction que nous avons vers le sexe opposé. So sexuality is not to be denied, but is to be understood and managed. Donc la sexualité n'est pas à nier, elle est à être comprise et gérée. God put the urge for sex in every human being. Dieu a mis le désir sexuel dans chaque être humain. Why? Pourquoi? So that the human race will not go into extinction. De sorte que la race humaine ne s'éteigne pas. It is for procreation. C'est pour la procréation. As well as for enjoyment within the confines of marriage. Aussi bien que pour la réjouissance dans les clos du mariage. However, when this sexuality is not understood and properly managed, ainsi, lorsque cette sexualité n'est pas très bien comprise et gérée, it can become a great menace. Cela peut devenir une grande menace. Because it has brought about destruction and the downfall of great and mighty men. Parce que cela a amené la destruction et la chute de beaucoup de grands hommes. It didn't just start now. Cela n'a pas commencé juste maintenant. It has been so since time immemorial. Ça a été ainsi depuis les temps immémoriaux. Those who cannot control the flames in their loins will end up being consumed and being destroyed by it. Ceux qui ne peuvent pas contrôler les feux dans leurs entrailles, dans leurs reins, seront toujours consumés par et détruits par cela. In the holy book, Samson was a classical example. Dans le livre saint, Samson était un exemple classique. He was a one-man army, one-man soldier. Il était une armée à lui seul. He was a threat to his enemies. Il était une menace pour ses ennemis. He has conquered nations. Il avait conquis des nations. But Samson's success was cut short because he could not control the fire within him. Mais le succès de Samson a été coupé court parce qu'il ne peut pas contrôler le feu en lui. Reuben in the Bible, that's one of the sons of Jacob. L'un des fils de Jacob, Reuben dans la Bible, was supposed to partake of the double portion of the blessings of the father Jacob. Était censé prendre part à la double portion des bénédictions de son père Jacob. Because according to their culture, the firstborn must partake of the double portion of the blessing of the father. Parce que au sujet ou dans leur tradition, le premier né, le fils aîné, doit prendre le double de l'héritage de son père. But Reuben lost his inheritance. Mais Reuben a perdu son héritage. Because he could not control the passion of sex in his loins. Parce qu'il n'arrivait pas à contrôler la passion du sexe dans ses entrailles. And instead of him to collect blessing, he collected a curse. Ainsi pour lui, au lieu de prendre la bénédiction, il a pris la malédiction. I pray for you that you shall not be cursed. Je prie que tu ne sois pas maudit. But you have to control sexual urge. Mais tu dois contrôler tes désirs sexuels. But on the contrast. Mais au contraire, Joseph fulfilled destiny. Joseph a accompli sa destinée. Because he controlled the fire in his loins. Parce qu'il a réussi à contrôler le feu dans ses entrailles. Young, vibrant man. Un homme jeune et vibrant. The wife of the boss tried to seduce him. La femme du boss a essayé de le séduire. But he said no. Mais il a dit non. I will not allow my destiny to be slaughtered on the lap of a woman. Je ne laisserai pas ma destinée être égorgée sur les cuisses d'une because femme. Because he had a picture of where he's going. Parce qu'il avait une image d'où il allait. He overcame. Il a surmonté. He overcame. Il a surmonté cela. If you will not control your sexual drive, si tu ne contrôles pas tes désirs sexuels, you may never succeed. Il se peut que tu ne réussisses or jamais. Or your success may end in sorrow. Ou alors ton succès va se terminer dans la tristesse. There are a lot of superstars. Il y a beaucoup de superstars who came to limelight. Qui sont venus à la lumière. But who sexually assaulted people at one time or the other. Mais qui à un moment donné ont eu des soucis sexuels à un moment ou à un autre. And they ended up in jail. Et ils ont terminé dans la prison.
They ended up in jail. Ils ont fini en prison. Some on their way to stardom. Il y a d'autres dans leur chemin, sur leur chemin Very vers la gloire. Close to stardom. Alors qu'ils étaient proches de la gloire. They fell for this. Ils sont tombés à cause de ça. Presidents of nations. Des présidents de nations. Have lost their integrity, lost their greatness just because ont perdu leur intégrité, sin. Perdu leur gloire, perdu leur position rien qu'à cause des péchés sexuels. Their life became so scandalous. Leur vie est devenue si scandaleuse. Their home broken. Leur maison brisée. They lost honor and respect. Ils ont perdu l'honneur et le respect. Because they could not control the fire in their lungs. Parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler le feu dans leurs entrailles. Anyone that will matter in life and destiny must control the appetite for sexual desire. Toute personne qui doit avoir de l'importance dans la vie et la destinée doit contrôler son désir sexuel. The urge for sex is just like the urge for food. Le désir sexuel, c'est un peu comme la faim pour la nourriture. You cannot say because you are hungry. On ne peut pas dire parce qu'on a faim. So anywhere you find food, partout où on trouve la nourriture, you must eat it. On va manger ça, non. The food on the dung hill, la nourriture dans la poubelle, you go there to eat. On va là-bas manger. And you give the excuse that because you were hungry. Et on donne comme excuse, non, on avait faim. But if you do that, you may lose your life. Si on fait ça, on va perdre la vie. If you do that, everybody will see you as a madman. Si vous le faites ainsi, on vous prendra pour un fou. And so anyone that will fulfill destiny, donc toute personne qui doit accomplir sa Anyone that will be able to succeed, toute personne qui doit être capable de réussir, must be ready to discipline his sexual appetite. Doit s'apprêter à discipliner ses désirs ou son appétit sexuel. Yes, there is no doubt that Hollywood and filmmakers has cheapened sex. Alors il y a aucun doute que Hollywood et les acteurs de films ont réduit ou rabaissé le prix du sexe. In their movies, they have portrayed immorality to look normal and acceptable. Dans leurs films, ils ont fait un portrait de l'immoralité pour qu'il paraisse acceptable. These days, everything is advertised with sex. Ces derniers temps, tout est publié, toute publicité porte sur le sexe. From beverage to telephone. Quand on parle de téléphone. Just name it. Tout ce qu'on peut nommer, Everything toute chose, is advertised with sex. La publicité est faite relativement au sexe. And so it becomes very difficult. Donc ça devient très difficile to resist it. De résister. Statistics also shows même les statistiques également montrent that the age of 19, qu'à l'âge de 19 ans, 80% of boys and 67% of girls already have sex. 80% des garçons et 67% de filles ont déjà eu des rapports sexuels. And this has brought about more than 1 million teenagers becoming pregnant yearly. Et cela a fait que chaque année on parle de près d'un million ou plus d'un million de grossesses d'adolescents. So there are more than 1 million teenager pregnancies every year. Donc on parle de plus d'un million de grossesses d'adolescents chaque jour. Which to some extent has cut short the academic pursuit of most of these brilliant teenagers. Ce qui à certains niveaux a arrêté le cursus académique de ces brillants adolescents. 60% of men have extramarital affairs. 60% des hommes ont des affaires hors conjugales. And today you hear them talk about side chicks. Et aujourd'hui on les entend parler des bébés à côté. Mistresses. Les maîtresses. To them it has become normal. Pour eux c'est devenu normal. 90% of men are battling with lust. Et 90% des hommes luttent avec la convoitise sexuelle. Yes, sex may be a gift from God. Alors c'est vrai que le sexe est un don pour Dieu. But it's to be engaged within the confines of marriage. Mais c'est un don qui doit être engagé dans les confinements du mariage. There is no safe sex or a casual sex. Il n'y a pas de sexe occasionnel ou de coup d'un soir. Sex is a covenant. Le sexe est une alliance. Sex is a covenant. Le sexe est une alliance. So sex is the ritual that seals union of two people. Donc le sexe c'est le rituel qui scelle l'union entre deux personnes. Two people who are ready to share their spirit, their soul and their body. Deux personnes qui sont d'accord pour partager leur corps, leur esprit et leur âme. And we shouldn't be talking of sealing if there will be no signing. Et on ne doit pas parler de fait de sceller si on n'a pas eu avant la signature. And so there shouldn't be anything like two people sleeping together when they have not yet agreed to be committed to each other for the rest of their lives. Donc si deux personnes n'ont pas encore tombé d'accord pour passer leur vie ensemble, mais ne devaient pas coucher ensemble. Sex is supposed to be a union between two people who are ready to share mind, purpose, and life. Donc le sexe est censé être l'union de deux personnes prêtes à partager leur esprit, leur but et leur vie. That is to say, one will be living for the other. C'est pour dire que l'un est d'accord pour vivre pour l'autre. Why is this so? So pourquoi c'est ainsi? Sex creates a bonding. Le sexe crée une sorte de lien.
It's beyond just the fun. Cela va au-delà du plaisir. Sex creates a bonding. Cela crée un lien. And this bonding is what is referred to as soul tie. Et c'est ce lien qui est, auquel on réfère comme étant des liens d'âme. It is called soul tie. C'est appelé des liens d'âme. When you are involved in sex outside marriage, you form an unholy soul tie. Lorsque vous avez des rapports sexuels hors mariage, vous créez des mauvais liens d'âme. Now to make you understand this. Ainsi pour vous faire comprendre. Have you discovered that when couples have been living together for a while, they begin to look alike? Avez-vous remarqué que parfois quand un couple a vécu très longtemps ensemble, ils commencent à se ressembler l'un à l'autre? They begin to think alike. Ils commencent à penser de la même manière. As a matter of fact, sometimes they begin to have the same kind of disease. Parfois, ils commencent même à avoir le même type de maladie. Why is this so? Pourquoi c'est ainsi? There is an exchange. Il y a un échange of their spirit, soul, and their body. De leur esprit, leur âme et leur corps. So when you sleep with a man, ainsi lorsque vous couchez avec you are not just having pleasure. Vous n'êtes pas juste en train d'avoir du plaisir. There is a deposit. Il y a un dépôt of his spiritual content. De son contenu spirituel. There is a deposit. Il y a un dépôt of his entirety inside of you. De ce qu'il est en vous. So you have to be careful. Donc il faut être prudent. You have to be careful. Il faut être prudent. Because after what you call casual, parce qu'après ce qu'on appelle occasionnel, there is a transference. Il y a des transferts of life. De la vie. Now from the holy book, for instance. Ainsi du livre saint par exemple. Wrong sexual activities has been categorized in different ways. Les mauvaises activités sexuelles ont été catégorisées de plusieurs manières. We have incest. On a l'inceste. That is when people are having sex with close relations, brothers, brother-in-law, father having sex with children and the rest of that. C'est le sexe entre personnes proches, des frères, des sœurs, des cousins, même des beaux-frères. We have adultery. Nous avons l'adultère. Sleeping with another person's wife or husband. Coucher avec la femme ou le mari d'un autre. We have homosexuality. Nous avons l'homosexualité. That is when men are sleeping with men. Lorsque les hommes couchent avec les hommes. And women are sleeping with women. Les femmes couchent avec leurs femmes. There is the subtle one that they call masturbation. Il y a le plus subtil qu'on appelle la masturbation. Where people watch pornography. Là où les gens suivent la pornographie. And they masturbate. Et ils se masturbent. And they say, I've not hurt anyone. Et puis ils disent, ah, je n'ai blessé personne. I've not hurt anyone. Je n'ai blessé personne. There is also the one called bestiality. Il y a ce qu'on appelle la bestialité. That is when people are sleeping with animals. Lorsque les gens couchent avec des animaux. We must know. Nous devons savoir. That all these are wrong. Que tout ceci n'est pas bon, c'est mauvais. Sex. Le sexe is supposed to be within the confines of marriage. Est censé se produire dans les confinements du mariage. But before we can control this sexuality, mais avant de contrôler la sexualité, we need to discover the most important sex organ that we have. Nous devons comprendre le plus important organe sexuel que nous avons. Our private parts are not the most important sex organ. Nos parties génitales ne sont pas les plus importants organes sexuels. The only go in the direction that the real sex organ leads them to. Ils vont juste dans la direction dans laquelle le vrai organe sexuel les conduit. Our most important sex organ is our mind. Notre plus important organe sexuel c'est notre esprit. If you can get control over your mind, you have gained control over your sex life. Si vous avez pu avoir le contrôle sur votre esprit, vous aurez le contrôle sur votre vie sexuelle. Now, we need to understand something. Nous devons comprendre quelque chose. That the issue of sex, le cas sexuel ou le sujet du sexe, is about perception. Est une question de perception. Is about perception. Est une question de perception. The way we see things. La manière dont nous voyons les choses. The way we see things. La manière dont nous voyons les choses. The way we see things. La manière dont nous voyons les choses. A wise man once said, un jour, un homme sage a dit, that the external tempters of man are the objects of passion. Que les tentateurs externes d'un homme, ce sont les objets de ses passions. So, ainsi, the prime enemy of a man is coveting that object of passion. L'ennemi numéro un d'un homme, c'est le fait de convoiter ces choses qui le passionnent. So his ability to stop desiring them is called relinquishing of desire. Ainsi, son habilité de ne pas les convoiter, de les laisser, est appelée le relâchement, la renonciation. Renunciation of inner defilement by which a man becomes slave to outward things. C'est le fait de renoncer aux choses internes qui font que l'homme devient esclave des choses.
I've always tell people. J'ai toujours dit aux gens. What we call sin, ce que nous appelons péché, is not what we fall into. C'est pas ce dans quoi nous tombons. Nobody falls into sin. Personne ne tombe dans le péché. Sin is a commitment. Le péché est un engagement. How do I mean? Qu'est-ce que je veux dire? Temptation is a growth, is a process. La tentation est un processus. You don't fall into it. On ne tombe pas dedans. You commit it. On le commet. So there is a commitment on your part. Donc il y a le fait de commettre de votre côté. Vous commettez vous-même. In other words, you are actively involved in it. D'un autre côté, on peut dire que vous êtes activement engagé dans cela ou impliqué dans And cela. And this requires five different stages. Et cela requiert cinq étapes différentes. It is only the final stage that is the active stage that we call sin. C'est seulement le cinquième niveau qui est le niveau actif qu'on appelle le péché. The stages are number one, recognition. Alors, le premier niveau, c'est le niveau de la reconnaissance. Recognition. La reconnaissance. The second stage is reflection. Le niveau, c'est quand vous vous mettez à réfléchir. The third stage is formation. Alors, le niveau 3, c'est le fait de commencer à former la passion de votre désir. Now, we need to understand. Nous devons comprendre ceci. We need to understand. Nous devons comprendre ceci. We need to understand. Nous devons comprendre ceci. That recognition to reflection to formation to fascination, it is these three major steps that bring about the craving and the action. De la reconnaissance à la fascination en passant par la formation du désir, tout ceci c'est ce qui emmène au désir ou à la passion de la chose. Now, the first stage, le premier niveau, is how the object of passion is recognized. C'est comment vous reconnaissez la chose comme étant une chose qui vous passionne. How the object of passion is recognized. Comment est-ce que la chose qui vous passionne est reconnue comme telle? Now, this is what we're trying to say. Ce que nous essayons de dire, écoutez. When an object comes into view of a man, quand quelque chose apparaît à la vue d'un homme, how does the man recognize the object? Comment est-ce que l'homme reconnaît la chose ou perçoit la chose? Now, to make it easier for us to understand. Pour rendre cela facile à comprendre. Those who are involved in taking care of women. Ceux qui sont impliqués dans le fait de prendre soin des femmes. The gynecologists. Les gynécologues. When women come to them. Quand les femmes viennent vers eux. They don't recognize women as object of passion. Ils ne voient pas ces femmes comme étant des objets de leur passion. They see women as their patient. Ils voient les femmes comme leur patient. They don't recognize the mammary gland as object of passion. Ils ne voient pas leur glande mammelle comme étant les objets de leur passion. They see mammary gland as a storage of food for the baby yet unborn. Ils ne voient cela que comme un simple magasin de nourriture pour les bébés qui ne sont pas encore nés. They do not see the birth canal as object of passion. Ils ne voient pas pour ces femmes leur canal de naissance comme étant l'objet de leur passion. They choose to see it as the birth canal. Ils choisissent consciemment de voir cela comme un simple canal de naissance. Because they did not recognize and accept it as object of passion. Parce qu'ils n'ont pas reconnu et accepté cela comme l'objet de leur passion. Because they did not reflect on it that it should be an object that will give them sensational passion. Parce qu'ils n'ont pas justement mis à réfléchir en cela comme étant un objet pour leur apporter de la passion, du plaisir. So there is no formation of sexual drive in their mind. Ainsi, il n'y a pas de formation de tout ce qui est sexuel dans leur esprit. There is no arousal within them. Il n'y a rien qui se lève en eux. So which does not make that object to fascinate them. Ainsi, tout ce qui les emmène à ne pas être fasciné par cet objet-là. So they don't crave for it. Donc ils n'ont pas un désir pour so cela. They are not involved in the action. Et ils ne sont pas impliqués dans une action quelconque. You will not understand. Vous allez maintenant comprendre. That it's not about the object itself. Qu'il ne s'agit pas de la chose en elle-même. It's about how you recognize the object. Il s'agit de comment vous vous regardez la chose. Your reflection concerning the object. Votre manière de réfléchir concernant cet objet-là. Your fascination towards the object. Et votre fascination au sujet de la chose. That brings about the craving in your body. Qui emmène un intense désir dans votre corps. And it is this craving. C'est cet intense désir. This intense craving, cet intense désir, that makes you automatically to be involved in obtaining the pleasure from the craving. Qui vous pousse maintenant à obtenir le plaisir qui va avec. So what does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? You have to control your mind. Vous devez contrôler votre esprit. Don't
take the object. Don't accept the object as object of passion. N'acceptez pas la chose que vous voyez comme étant ce qui vous passionne. If you don't accept as object of passion, si vous n'avez pas accepté, there will be no craving in you. Il n'y aura pas de désir en vous. To reach out for the pleasure in it. Pour aller la prendre, avoir le plaisir qui est dedans. Have you asked yourself? Vous êtes-vous déjà demandé? Everything in your mother. Tout ce qui est dans votre maman, everything in your sisters, tout ce qui est dans votre sœur, is the same thing that your girlfriends have. C'est la même chose qui se trouve dans vos petits amis. But how come you have not slept with your mother? Mais comment vous n'avez pas eu l'idée de coucher avec how votre come maman? You have not slept with your sister? Comment vous n'avez pas couché avec votre sœur? It's because you refuse to accept them as object of pleasure. C'est parce que vous refusez de prendre votre maman, votre sœur comme étant l'objet de votre plaisir. Which is principally about the way you control your mind. Ce qui est principalement au sujet de comment est-ce que vous contrôlez votre esprit. So your greatest sex organ is your mind. Ainsi, votre plus grand organe sexuel, c'est votre it esprit. Is where your mind goes. C'est là où va votre esprit, that là où va votre body pensée. Responds to. C'est là, c'est également là que répond votre so corps. If you don't control your mind, donc, si vous ne contrôlez pas votre pensée, you will not be able to control your body. Vous ne pourrez pas contrôler votre corps. Everything begins on the inside. Toute chose commence à l'intérieur de whatever vous. Picture you have formed in your mind, toute image que vous avez formée dans votre pensée, you will eventually perform in the physical. Vous allez finir par le rendre possible dans le physique. So out of the five stages, et si hors des cinq étapes, if you don't control the first three, si vous n'avez pas contrôlé les trois premières étapes, you will enter into the fourth and the fifth. Vous allez entrer dans le quatrième et le cinquième niveau. That is why. C'est pourquoi we have to control our mind. Nous devons contrôler notre pensée. So the last stage, et si le cinquième niveau, is just the stage of entering into the thing that your mind has cooked. C'est juste le niveau d'entrer dans la chose que votre esprit a déjà préparée. Lusting to possess the objects. Commencer à convoiter jusqu'à posséder la in chose. In order to experience the pleasure and gratification. Dans le but d'expérimenter la gratification et le plaisir. It is what you have already conceived from your perception. C'est ce que vous avez déjà conçu dans votre perception. And as you repeat it, et tel que vous le répétez in your mind, dans votre esprit, just like I said earlier, comme je l'ai dit plus tôt, nobody steals by stealing. Personne ne vole pour voler. Nobody commit fornication by committing fornication. Personne ne commet la fornication juste it pour has commettre la played fornication. On in your mind, ça s'est joué times dans votre esprit, and over again, encore et encore, times and over again, encore et encore, before you bring it forth in actuality, avant que vous ne commenciez à le rendre possible. So, ainsi, if you take time, si vous prenez le temps, to break the flow of thought, de briser l'écoulement de vos pensées, the action will also see. L'action aussi va s'arrêter. Wow. Wow. So there is nothing magical about it. Et s'il n'y a rien de magique à ce sujet-là, it's about discipline of the mind. C'est juste comment est-ce que vous disciplinez votre esprit. It's about discipline of the mind. C'est comment est-ce que vous disciplinez votre esprit. It's about discipline of the mind. C'est comment est-ce que vous disciplinez votre pensée. So, ainsi, sexual urge, l'urgence sexuelle cannot be a problem. Ne peut pas être un problème. When we can discipline our mind. Lorsqu'on peut discipliner notre esprit. Now listen to this. Écoutez ceci. You see, sexual urges that are not controlled can affect a lot of things in our life. Les désirs sexuels qui ne sont pas contrôlés peuvent affecter beaucoup de choses dans notre vie. Because the same time you require, parce que le même temps dont on a besoin, to achieve success, pour accomplir notre succès, if you are sexually inclined, hypersensitive to sexuality, the same time you're supposed to use to look for success will become a time you begin to share in looking for pleasure. Mais si nous sommes hypersensibles à la sexualité, le même temps qu'on devait utiliser pour réussir, on va l'utiliser pour chercher les trucs sexuels. The part of the mind, la partie de l'esprit, that is creative in nature, qui devait être créative, that will have helped you in creativity and productivity, is also the same part of the mind you are going to use for you to be satisfying yourself sexually. C'est la même partie du cerveau qui devait nous aider à être créatif et productif qu'on va utiliser pour accomplir nos désirs sexuels. That is why most of the time, c'est pourquoi la plupart du most temps, people are very successful. La plupart de ceux qui sont they à hardly succès, have time for sex. Ils ont rarement du temps pour le sexe. They hardly have time. Ils ont rarement le temps. Because the same time, parce que le même temps, they are supposed to be chasing things in skirt. Qui devait utiliser pour courir derrière les jupons. They need that time to pursue after success. Ils ont besoin de ce temps pour courir après the le part succès. Of the mind that is creative in
sexual pleasure. La partie du cerveau qui est créative dans that le plaisir people sexuel, will use in sexual prowess, que les gens utilisent dans les prouesses sexuelles, is the same part of the mind that we use for creativity in order for them to be productive and be successful. C'est la même partie du cerveau qu'ils utilisent pour être productifs et avoir du succès. And so most successful people, ainsi la plupart du temps ceux qui ont du succès, have time, ont rarement et difficilement le to temps pursue after things that will gratify their flesh. De courir après des choses qui vont gratifier leur chair. So how do we control sexual desires? Ainsi, comment contrôler les désirs sexuels? You must firstly identify the things that trigger the sexual urges in you. Vous devez d'abord ou premièrement identifier les choses qui déclenchent les désirs sexuels en vous. Don't pretend. Ne soyez pas prétentieux. Be sincere. Soyez sincère. Be realistic. Soyez réel. Identify the things. Identifiez les choses that trigger sexual urges in you. Qui déclenche des désirs sexuels en vous. You must first identify the triggers of sexual desires. Vous devez avant tout identifier les déclencheurs des désirs sexuels en vous. They may be prompted by sexual fantasies. Cela peut être prompté ou poussé par des fantasmes sexuels. Imaginations. Des imaginations. In which your physical body reacts by being aroused. Dans en quoi votre physique ou votre corps réagit en se levant. Identify those things that makes you to lose your mind. Identifiez ces choses qui vous amènent à perdre votre esprit. Number two. Numéro deux. You must remain alert and take time to do a self-assessment. Vous devez rester en alerte et prendre le temps de faire une étude de vous-même. Know the environment. Connaissez votre environnement. Know the time of the day. Connaissez les temps de la journée. And you always think about such things. Où vous avez l'habitude de penser à ce genre de choses. Before you begin to plan the line of defense. Avant de commencer à planifier vos lignes de défense. Avoid watching pornography. Évitez ou faites attention de ne pas suivre les pornographies. It's quite unfortunate. C'est très malheureux. The social media, the internet has been of great help to us, but it has also been one of the greatest tools for the destruction of mankind. Les médias sociaux, les réseaux sociaux ont été pour nous un vrai apport, mais ça a aussi été un vrai objet de destruction de l'être humain. Viewing pornography has become socially acceptable and accessible through the web. Voir la pornographie est devenue socialement acceptable sur le web. Est très accessible. Even when you are not looking for the site. Même lorsqu'on ne cherche pas à voir. They pop up. Il cela sort comme they ça. Cela vient and because of the nature of our mind, à cause de la nature de notre esprit, because our mind has not been disciplined, parce que notre esprit n'a pas été discipliné. Once they pop up before we know what is happening, une fois qu'une image apparaît avant qu'on sache ce qui arrive, we find ourselves going in that direction. On se trouve nous-mêmes en train d'aller vers cette direction là. We must be very careful. On doit être très prudent. To always look for sites that has filters. Pour chercher des vues qui sont filtrées. To be involved in blocking this kind of content. On doit commencer nous-mêmes à bloquer ce genre de contenu. You must also learn to abstain from drug and alcohol. On doit aussi apprendre à s'abstenir de la drogue et de l'alcool. Because most of the times, parce que la plupart du temps, drug and alcohol, la drogue et l'alcool, increases sexual cravings, augmente les désirs sexuels. That is why you will discover. C'est pourquoi vous allez découvrir that most sexual problem is always attached to the issue of drug and alcohol. Que la plupart des problèmes sexuels sont attachés à la drogue et à l'alcool. Why? Pourquoi? Because once you are involved in drug and alcohol, parce qu'une fois qu'on est impliqué dans l'alcool, to la control drogue, your mind becomes difficult. Contrôler votre pensée devient difficile. It becomes very difficult. Ça devient très difficile. Because the substance takes over your mind. Parce que cette substance prend le dessus sur votre pensée. When you will lose control, quand vous perdez votre contrôle over your sexual heart, sur vos désirs sexuels. That is why some people, when they are drunk, they rape people. C'est pourquoi certains quand ils sont sous, ils violent des femmes. And it's when they are true, maybe when the effect of the alcohol has cleared off, that they come back to their senses. Et c'est quand l'effet de l'alcool passe qu'ils reviennent à leur sens. The link between sex addiction and substance abuse is always a co-occurring disorder. Le lien entre l'addiction sexuelle et les substances que nous prenons, c'est le désordre qui en résulte. They work hand in hand. Le tout fonctionne main dans la main. And so to avoid being a victim, ainsi, pour éviter d'être une victime, be careful. Soyez prudent. Make sure you restrict yourself from taking drugs. Faites attention de vous restreindre vous-même de ne pas prendre because la drogue. Once you are involved in it, dès que vous commencez à you être may impliqué not be dedans, able to control your mind. Il se peut que vous ne contrôliez plus votre pensée. Also, aussi,
Talk to people who can help you. Parlez aux gens qui peuvent vous aider. Don't pretend. Ne faites pas semblant. Talk to people you can be accountable to. Parlez aux gens à qui vous pouvez rendre compte. People can watch over your activities. Les gens qui peuvent veiller sur vos activités. Who can guide and counsel qui you. Qui peuvent vous guider et vous conseiller. Don't hide it until it becomes destructive. Ne cachez pas jusqu'à ce que cela devienne Don't destructif. Hide it until it brings shame upon you. Ne cachez pas cela jusqu'à ce que cela devienne une honte sur vous. Also, aussi, keep the picture of your future in view. Gardez l'image de votre futur en vue. Those who know where they are going to, ceux qui savent où ils vont, they don't easily get distracted about where they are. Ils sont pas facilement distraits à propos de là où ils sont. So know where you are going. Donc savez où vous allez. And apart from knowing where you are going, à part cela, always remember that your body is a temple of God. Vous devez vous rappeler que votre corps est le temple de Dieu. Your body is not a sex toy. Votre corps n'est pas un jouet sexuel. The body of others around you are not sex toys. Et le corps de ceux qui vous entourent ne sont pas des jouets sexuels. They are also images and likeness of God. Ce sont aussi des images et de la ressemblance de Dieu. And so if it cannot come into your mind to sleep with God. Donc si ça ne peut pas traverser votre esprit de coucher avec Dieu, if you also see them as image and likeness of God, si vous les voyez comme l'image et la ressemblance de Dieu, you will know that it's a no-go zone for you. Vous saurez que c'est une zone à ne pas aller. Also, you need to avoid evil associations. Vous devez également éviter les mauvaises associations. Whom you follow determines what follows you in life. Ce que vous suivez détermine ce qui va vous suivre dans la vie. Your friends will always determine your end. Vos amis vont toujours déterminer votre fin. Whom you befriend determines what befalls you. Qui vous êtes ami détermine qui vous fait échouer. You cannot stay around the smoker and not smell smoke. Vous ne pouvez pas rester à côté d'un fumeur de cigarette et ne pas sentir la cigarette. How do I mean? Qu'est-ce que je veux dire? A man may not be smoking tobacco but may still die of lung cancer. Un homme peut ne pas fumer la cigarette mais mourir d'un cancer. As long as he's around those who are smoking. Aussi longtemps qu'il est autour de ceux qui fument. He will inhale the substance from the atmosphere. Il va inhaler des substances dans l'atmosphère. When a goat befriends a dog, that goat will eat excreta. Lorsqu'un mouton commence à être l'ami d'un chien, il va manger ses excréments. My life coach, mon coach de vie, Dr. David Oyedepo. Docteur David Oyedepo, he once gave a classical example of this. A un jour donné un exemple classique de ceci. There was this elder in their church. Il y avait cet ancien dans leur église. Who had a goat and a dog in the same house. Qui avait le chien et un mouton dans la même maison. But because this dog and this goat has been together for a long time. Mais parce que le chien et le mouton étaient ensemble pendant très longtemps. Anytime you call the dog, à chaque fois qu'on appelle le chien, the goat follows. Le mouton aussi Anytime vient. Anytime you call the goat, on appelle le mouton, the dog follows. Le chien aussi vient. Because of environmental, they have been together within the same confines of the environment. Parce qu'ils ont été dans le même environnement depuis très longtemps. Because of environmental influence. À cause de l'influence environnementale. It is a taboo for goats to eat excreta. C'est un tabou pour un mouton de manger ses excréments. They eat grass. Ils mangent l'herbe. They eat other substances. Ils mangent d'autres substances. It is only dog that can eat excreta. C'est seulement les chiens qui peuvent manger leurs excréments. But it got to a point. Mais il est arrivé à un niveau. Because of the environmental influence. À cause de l'influence de l'environnement. As the dog eat excreta. Tel que le chien mange ses excréments. The goat was also eating excreta with the dog. Et le mouton aussi s'est mis à en manger avec le chien. Wow. Wow. The goat was denatured. Le mouton a été dénaturé. Because of environmental influence. À cause de l'influence de l'environnement. There are people that ordinarily they are civil, they are saint, they are sanctified, they are virtuous, but when they begin to befriend evil friends, il y a des gens naturellement ils sont saints, ils sont vertueux. They run into trouble. Mais dès qu'ils commencent à être amis avec des mauvais amis, ils vont dans des problèmes. There's a classical example like that. Il y a un exemple classique comme ça. In the Holy Book, dans le livre saint, of a man, a young man called Amnon, d'un homme appelé Amnon, who slept with the sister called Tamar, qui a couché avec sa sœur appelée Tamar. But he wouldn't have been involved in it. Mais il n'aurait pas été impliqué dans until ça. Until he listened to the counsel of one of his friends. Jusqu'à ce qu'il ait écouté le conseil d'un de ses amis. He said, "Pretend to be sick." Il dit, fais semblant d'être malade. Tell your father that your sister should come and cook for you. Dis à ton père que ta sœur vienne cuisiner pour and toi. And when he comes, rape him. Et dès que la sœur vient, tu la violes. And foolishly, et de manière folle, he yielded to the counsel. Lui aussi, il a écouté le conseil. And raped the sister. Et il a violé sa sœur.
And because of this single act, et à cause de cet acte singulier, he lost his life. Il a perdu la vie. He lost his life. Il a perdu la because vie. The brother, the direct brother of this young lady that was raped, went back for revenge to kill him. Parce que le frère direct de cette sœur qui a été violée est allé se venger, la tuer. And funny enough, the one who gave him counsel is not the victim of all this. Et d'ailleurs, celui qui l'avait conseillé n'a pas été victime de tout ceci. No wonder the holy book says evil communication corrupts good manners. D'ailleurs, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. The companions of the fool shall be destroyed. Les compagnons d'un fou ou des fous seront détruits. Be careful your friends are. Soyez, faites attention. Because à your friends will determine your end. Parce que vos amis vont déterminer votre fin. Be careful who you follow. Attention à qui vous because suivez. Who you follow determines what follows you. Parce que qui vous suivez détermine qui vous ce qui vous suit. There's the saying that show me your friend. Il y a cette dit-on qui dit montrez-moi vos amis. And I will tell you who you are. Je vous dirai qui vous êtes. Don't say we're just friends. Faut pas dire on est juste amis. No, whatever they do, you will start doing. Tout ce qu'ils font, vous allez aussi le wherever faire. Wherever they go, you will start going. Où ils vont, c'est là aussi vous irez. So be careful your friends. Donc faites attention à qui est votre ami. Also mind what you wear. Faites également attention à ce que vous portez. The Holy Book mentions two types of attire. Il y a deux choses que deux types d'accoutrements que la Bible mentionne. The Holy Book talk about the attire of a prostitute. La Bible parle de l'accoutrement d'une prostituée. So there is a way a prostitute dress. Donc il y a une manière dont la prostituée s'habille. Don't advertise what is not for sale. Ne faites pas la publicité de ce qui n'est pas à vendre. Your private parts are called private so that you can keep it private. Vos parties intérieures sont appelées parties privées parce qu'il faut les garder privées. Don't expose your body anyhow. N'exposez pas votre corps n'importe comment. Either you can become a victim of rapists. Sinon vous allez commencer à être victime des violeurs. Be careful what you wear. Soyez, faites attention à ce que vous portez. The clothing you wear to beach where you go for relaxation is different from the clothing you should be wearing to parties. Ce que vous portez comme habit à la plage pour vous relaxer est différent de ce qu'il faut porter lors des fêtes. Should be different from the clothing you wear to go and visit friends. Parce que c'est différent de ce que vous portez pour aller visiter un ami. Different occasions calls for different type of dressing. Différentes occasions appellent différentes formes. So be careful what you wear. Donc faites attention à ce que vous portez. Even as a married person. Même en tant que personne mariée. The way a single person dress is different from the way a married person dresses. Comment une mariée ou un marié s'habille diffère de comment un célibataire ou une célibataire s'habille. I've always said this humorously. J'ai toujours dit ceci de manière humoristique. When a house is looking for occupants, quand une maison cherche un occupant, the house is open for everybody to see. La maison est ouverte pour que tout le monde entre voir. But once the house has been occupied, et une fois que quelqu'un a occupé la maison, we are not permitted to just open the place for everybody to see. On n'a plus le droit d'ouvrir la place pour que tout le monde vienne when voir. When you are married, quand vous êtes marié, your house is occupied. Votre you don't dress like those who are still looking vous for a husband. Vous ne vous habillez pas comme ceux qui cherchent encore so un mari. So the dressing of a married woman should be different from the dressing of a single person. Donc l'habillement d'une femme mariée doit différer de l'habillement d'une femme célibataire. Be careful what you wear. Faites attention à ce que vous portez. Don't say I want to look take away. Ne dites pas non, je veux paraître comme I want to look hot and steamy. Je veux paraître chaude et emportable. Go and find out. Allez-y demander. Take away is not keep at home. Ce qu'on emporter n'est pas garder à la maison. Yes, you want to look good. Mais tu veux paraître look bien. Hot. Tu veux paraître chaud. They will eat you and dump you. On va te manger et te jeter. Because take away is not keep at home. Parce que un jetable n'est pas garder à la they maison. They will just eat you and dump you. On va juste manger et jeter. If you think sex is enough to commit anybody, si tu penses que le sexe suffit pour qu'un homme s'engage, une personne s'engage, you are making a big mistake. Vous commettez une grave erreur. If that is the case, si c'était le cas, sex workers should have had more people committed to them. Les prostituées auraient plus d'hommes ou plus de femmes qui sont engagées avec eux. Do you know how many people have slept with them? Vous savez combien de gens ont couché avec une prostituée? Does that now make anybody to be committed to them? Est-ce que quelqu'un est devenu engagé envers eux? So thinking that when a man sleeps with you, that will make you to grab him and he will marry you is a lie. It is the opposite. Donc c'est que lorsqu'un homme couche avec vous, il va vous aider à l'attacher pour qu'il s'engage avec vous. C'est le contraire plutôt qui se produit. Have you even discovered? Avez-vous d'ailleurs découvert? That whatever people see often, que tout ce que les gens voient souvent, they lose value for. Ils perdent de vue la valeur de so cela. So if a man begin to see your
nakedness, quand un homme commence à voir votre nudité, to a point of sleeping with you, jusqu'à coucher avec vous, you will lose value. Vous allez perdre votre valeur. Have you not even discovered as a young woman? D'ailleurs, n'avez-vous pas découvert comme une jeune femme? The first time the man comes, la première fois qu'un homme est venu, il vous a acheté, il vous a acheté des cadeaux. He's looking for something. Il cherche quelque chose. Immediately you open your body for him. Dès que vous ouvrez votre corps à lui, for the first time, pour la première fois, when you come next time, quand il vient la prochaine fois, no gift this time, il n'y a plus de cadeau. He will only buy you food. Il va seulement acheter la nourriture. The third time, troisième fois, he will not buy you food. Plus de nourriture. He will only give you a bottle of Coca-Cola. Juste une bouteille de Coca-Cola. By the time his fifth time, la cinquième fois, you are the one that will beg him to buy you something. C'est vous qui allez supplier pour que vous achetiez quelque chose. You have lost value. Vous avez perdu votre valeur. You have lost value. Vous avez perdu votre valeur. You have lost value. Vous l'avez perdu. So the more you expose yourself, donc plus vous vous exposez, the more you lose value. Plus vous perdez votre valeur. But the more you keep yourself, et plus vous vous gardez, the more your value increases. Plus votre valeur augmente. So be careful. Ainsi faites attention. Be careful. Faites attention. Men easily fall by what they see. Les hommes tombent facilement à cause de ce qu'ils voient. So be careful how you expose yourself. Faites attention à comment vous vous exposez. Just like women are also moved by what they hear and by touch. Ainsi également, tout comme les femmes bougent par ce qu'elles entendent et ce qui les touche. So I want to say to you, j'aimerais vous dire, see no evil, ne voyez pas le mal, and hear no evil. Non, n'écoutez pas as le mal. A woman, en tant que femme, don't listen to sweet words. N'écoutez pas des paroles douces. Before you know what is happening, you will lose your guard. Avant de savoir ce qui arrive, vous allez perdre votre garde. As a woman, you are married. Comme en tant que femme, vous êtes mariée. You are still receiving messages from your ex. Vous continuez à recevoir des messages de vos ex. That will make you to start comparing him with your husband at home. Cela vous amènera à le comparer avec votre mari à la maison. And before you know what is happening, et avant de savoir ce qui arrive, you start having secret affairs. Vous commencez à avoir des affaires secrètes. Any relationship you cannot expose for everybody to see is wrong. Toute relation que vous ne pouvez pas exposer pour que tout le monde voit. Whatever you have to hide to do is never right. Tout ce que vous devez vous cacher pour faire n'est jamais bon. So you have to be careful. Ainsi, vous devez être prudent. There is a way honorable people dress. Il y a une manière de s'habiller pour les personnes honorables. If you are the image and the likeness of God, si vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu, you have to dress like royalty. Vous devez vous habiller comme une royauté. There is a way royal people dresses. Il y a une manière pour une royauté de s'habiller. Have you ever seen any king? Avez-vous déjà vu un roi? Wearing rasta on the head. Porter des rastas sur la tête. Or a prime minister with a rasta on the head. Ou un premier ministre avec des rastas or sur la tête. Or a prince with a rasta on the head. Ou un prince avec des rastas sur la have tête. Have you seen any queen of any nation? Avez-vous vu la reine d'une nation? Wearing short skirts. Porter des jupes courtes. Wearing bikini and mini skirts. Porter des mini jupes et des bikinis. Exposing the laps. S'exposer ou exposer ses cuisses. Of late, there was a time when the royal family in Europe was having, I think it was a wedding. Il y a quelque temps, il y avait un mariage de la famille royale en Europe. And they invited a lot of superstars. Ils ont invité beaucoup de superstars. Hollywood stars. Les superstars d'Hollywood. But they were all careful. Mais toutes, chacune a when été when they were all going for that special location. Quand il fallait partir pour cette occasion spéciale. They covered their body. Elles ont couvert leur corps. I shouted, wow. Moi j'ai crié, wow. So they actually know. Donc apparemment elles savent. How royalty dresses. Comment est-ce que les royautés s'habillent? You can't see a king wearing low waist. Vous ne verrez pas un roi porter a president une taille basse. Wearing low waist. Ou un président porter une taille basse. A royal person wearing low waist. Ou bien une personne royale porter une taille basse. It's only prisoners that wear low waist. C'est seulement les prisonniers qui portent des trucs ceinture aux fesses. Why should you be wearing low waist as a young man? Pourquoi en tant que jeune vous portez des half of your panties is outside. La moitié de vos caleçons sont dehors. You say you are doing what is in vogue. Vous dites vous faites ce qui est à la mode. You say you are booga. Vous êtes en train de faire booga. Vous montrez ce qui est à la mode. You look like a prisoner like vous allez that. Ressembler à un prisonnier. Dress decently. Habillez-vous décemment. Be neat. Soyez net. As a woman, comme une femme, cover your nakedness. Couvrez votre nudité. Your breast is not supposed to show. Vos seins ne sont pas censés se montrer. It is your private part. C'est votre partie intime. For the eyes of your husband only. Pour les yeux de votre mari seulement. Your lap is not supposed to be exposed. Vos cuisses ne sont pas censées être exposées. It is for your husband c'est only. Pour votre mari seulement. What should be covered must be covered. Ce qui doit être couvert doit être couvert. What is private must be kept ce private. Ce qui est privé doit rester privé. This is how to exhibit. C'est ainsi qu'il faut exhiber la royauté. That is how to walk into stardom. C'est ainsi qu'il faut marcher dans la royauté. What are we saying? Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? For a man to succeed, pour qu'un homme réussisse, for a woman to succeed, pour qu'une femme réussisse, he must be careful. Elle doit être prudente ou doit être prudent. To control, de contrôler the sexual drive.
ses désirs sexuels. If at all he must be involved in it, it must be within the confines of marriage. S'il doit avoir des rapports sexuels, ça doit être dans les relations du mariage. Because there will be a soul tie. Parce qu'il y aura un lien d'âme. There is a transmission of life. Il y aura une transmission de vie. Be careful. Faites attention. There is no cheap sex. Il n'y a pas de sexe qui soit moins cher. There is no casual sex. Il n'y a pas de sexe occasionnel. It will affect you. Cela va vous affecter. Because a measure of anybody you sleep with has been deposited inside. Parce que une mesure de tout ce avec qui vous avez couché a été déposée en vous. Have you even discovered? D'ailleurs, avez-vous découvert? That it's been said now that the only medium through which HIV issue flow is through blood. Que la seule manière pour se transmettre le sida, so c'est à travers le sang. There should be abundance of blood contact. Donc, il doit avoir échange ou il doit avoir contact sanguin. And the other way through which HIV is moving transferred is through sex. Et la seule manière pour que le sida soit transmis à travers le sexe, les rapports sexuels. Is because unknowingly. C'est parce que sans le savoir. There are little droplets of blood, microscopic blood, in spermatozoa during the time of intercourse. Il y a une petite quantité de sang dans les spermatozoïdes pendant les rapports sexuels. And so there is a transference of blood. Donc il y a un transfert de sang. Transference of life. Il y a un transfert de vie. And when there is transference of life, et lorsqu'il y a transfert de vie, HIV can also be transferred. Le sida peut également être transféré. What are we saying? Qu'est-ce que nous disons? Discipline yourself. Disciplinez-vous vous-même. So that you can succeed. Pour réussir. You shall succeed. Vous allez réussir. Till we come your way again next week. Jusqu'à notre prochaine émission la semaine prochaine. This is Newton Adegoke. C'est toujours votre ami Newton Adegoke. You can reach us. Vous pouvez nous appeler. On the following phone number. Au numéro suivant, 91 93 86 49. Keep succeeding. Continuez à réussir. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen.